Je vais lancer avec vous, Antoine Simonois. On est habitué maintenant, hein. Vous êtes le héros principal de ce feuilleton. Adios. Je vous pose la question. Est-ce qu'avec Barcola, Mbappé et Dembélé, évidemment, c'est l'arrivée de Barcola qui nous intéresse, Luis Enrique a trouvé son intactif. Et c'est tout ce que ça sous-entend sur les achats de l'été. Non, parce que c'est Enrique, donc il va changer tout le temps pour Alicia. Bah on dirait bien pour Vincent Deluc. Et Asensio, et Kolo Muani, et Ramos, il pose plus de questions qu'il ne répond. Et pourtant, il a des réponses. Johan Rioux, mesdames, messieurs. Oui, il a trouvé en Ligue 1. Ah, nuance de Swan. Tip top, il aime cette attaque, Ludo. Et Enrique valide la BDM, bien sûr. Tiens, pourquoi en Ligue 1, Swan Borsellino? Bah, déjà, on va parler du positif. C'est que je pense qu'hier, un joueur comme Bradley Barcola a montré à quel point, dans ses qualités de percussion, ses qualités techniques et ses qualités défensives, il était une valeur sûre pour le PSG à ce poste-là. Est-ce que ça vous surprend? Alors, je mentirais si je disais que ça me surprenait. En revanche, je serais bien prétentieux de dire que je pensais qu'il allait être aussi fort. C'est-à-dire que je n'étais pas forcément de ceux qui disaient que le PSG s'était fait avoir par l'OL et que ça, il allait avoir 2 minutes de temps de jeu. En revanche, je trouve que dans un match comme hier, où le PSG a un peu balbutié, notamment sa deuxième mi-temps, donner les garanties qu'il donne sur la première période, techniquement, c'était vraiment très très fort. Et en ça, je pense qu'en Ligue 1, c'est très bien. Et en Ligue 1, surtout, un joueur comme Mbappé en 9 est moins dérangeant pour moi qu'en Ligue des Champions. Je dis en Ligue 1 parce que je reste persuadé que sur les gros matchs, et ça pourra même commencer contre la Sociedad, à mon avis, Mbappé est plus dangereux sur l'aile gauche pour le PSG et Asensio amène plus de sérénité aussi au poste de numéro 9. Pour le moment, pour moi, c'est le meilleur numéro 9 du PSG devant Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Il ne fait pas beaucoup jouer quand même, même s'il est. Non, mais c'est, je ne suis pas les Serena Luis Enrique. On était beaucoup à penser comme vous. Mais en tout cas, c'est ce que moi je pense. En revanche, pour la Ligue 1, je trouve que le trio d'hier est très adapté aux adversaires du PSG en Ligue 1 la plupart du temps. Et je suis très content pour Bradley Barcola. Mais c'est vrai, Ludovic Obraniak. Pour le coup, Barcola, je ne dis pas que c'est l'invité surprise, mais un peu quand même. Parce que quand vous recrutez deux joueurs à 80-90 millions qui sont internationaux, que vous avez un international espagnol, il y a un monde quand même où on se dit qu'il est titulaire à Lens en janvier quand il est recruté en août. Hein. Ouais, mais c'est la beauté de ce sport aussi, c'est que quand tu pars quatrième, il n'y a rien n'empêche qu'à force de travail, de persévérance et de caractère, parce qu'il lui en a fallu du caractère. Et à juste titre, je trouve, il s'est fait un peu secouer lors de sa rentrée. C'était contre Newcastle, il me semble, où j'avais trouvé qu'il était vraiment léger. Même si, on pouvait comprendre qu'il a du talent balle au pied. Mais ça, on le voyait déjà à Lyon. Mais dans l'agressivité, dans l'attitude, cette nonchalance, je trouvais qu'il y avait un vrai manque dans cette entrée. Et on se disait, ça va être dur pour le jeune. Parce que derrière, il y a eu quelques critiques que j'ai trouvées justifiées. Et ben là, il revient et il trouve de la régularité. C'est-à-dire qu'il revient, il est bon, et ça fait 3-4 matchs maintenant qu'il est très bon, qu'il est même peut-être le meilleur de son équipe à chaque match. Et là, hier, face à la défense de Lens, où physiquement, ça envoie du bois quand même, ceux qui pouvaient penser, et moi je le pensais aussi, qu'il pouvait être un peu frêle pour ce genre de match, et il nous donne une réponse cinglante. Et bravo à lui, parce que j'avais pas mis une piécette. Au point de le mettre dans l'équipe type. Vous allez attaquer. Mais ça veut dire que vous. Non, mais vous allez attaquer. Vous allez attaquer un huitième de finale de Ligue des Champions. Vous allez quand même essayer d'y aller avec l'équipe qui a le plus de régularité, qui vous apporte. Donc là, il a de l'avance pour vous sur Kolo Muani, sur Ramos, pour sur. Pour moi, il a le Grand Canyon. C'est une crevasse. C'est que le Grand Canyon, c'est grand comme. Ah, c'est un gouffre. Ah, mais les deux autres, ils sont là. Ramos, il veut pas en entendre parler. C'est pas. J'ai l'impression que c'est pas style Enrique. Et Kolo Muani, pour le moment, à part mettre des doublés en Coupe de France contre des R1, il est pas là. Non, mais il est pas là. C'est pas faux. Alors, Luis Enrique a fait confiance à Bradley Barcola. Il y a des perdants. Il y en a deux au poste d'avançante, voire trois avec Asensio. Randal Kolo Muani et puis Gonçalo Ramos. Hier, en plus, le signal, c'est qu'il n'a fait qu'un seul changement en faisant rentrer Fabian Ruiz à la place de Carlos Soler à 62e minute. Et pour l'info, c'est la première fois que lorsque Randal Kolo Muani est sur une feuille de match du Paris Saint-Germain, c'est la première fois qu'il n'entre pas en jeu. Ouais. Donc là, il y a eu quand même un petit signal pour Luis Enrique. Ah, gros signal peut-être, mais il ne faudrait pas oublier trop vite Marco Asensio, malgré tout, même s'il était sur le banc hier. L'Espagnol recruté cet été par le Paris Saint-Germain, lui qui était en fin de contrat avec le Real. Il a réalisé un bon début de saison avec 2 buts et une passe D en 3 matchs. Bon, il y a eu cette longue blessure au pied droit avec sa sélection lors de la trêve internationale de septembre qui l'a plombé. Blessure qu'il a tenue écartée des terrains pendant plus de 2 mois. Mais je vous dis attention parce que Luis Enrique apprécie beaucoup son profil.
Marco Asensio en manque de temps de jeu depuis le retour de sa blessure, c'est vrai, mais il s'était montré en Coupe de France. Alors Ludo dira oui contre une équipe de R1, bah, mais quand oui. même, il y a toujours des enseignements à tirer de tous les matchs, oui, je crois, humblement. Il y avait tout de même ce geste de classe, parce que ça marque les esprits, ça aussi, les gestes de classe en aile de pigeon pour Mbappé. Je suis tout de suite. Il a aussi montré qu'il était prêt physiquement, Marco Asensio, donc je dis juste, ne pas l'oublier trop vite. Yann, vous avez plein de points d'interrogation. Oui. Et Colomani et Ramos, bah, ils ne jouent pas. Voilà la réponse, en fait. Il a fait le choix de Barcola. Oui, mais le premier nom pour moi, c'est Asensio, parce qu'Asensio, c'est uniquement sa blessure, sa longue blessure, mais grave blessure qu'il a sorti du jeu. Oui. Il est titulaire lors des 4 premières journées. Et le 26 août contre Lens, il est numéro 9, il est formidable, 3-1 pour le PSG. Oui. Il est en 9, il est formidable, 7 sur 10 dans l'équipe, il met un but. Et c'est lui d'ailleurs qui, juste avant la mi-temps, je crois, la 45e, débloque le match. Et ensuite contre Lyon, surtout, c'est son chef-d'œuvre. Le 3 septembre, victoire du PSG 4-1 à Lyon. Il est numéro 9, 8 sur 10 dans l'équipe, un but, oui, c'est positif. Et surtout, une impression dégagée extraordinaire. Donc s'il n'y a pas sa blessure, à mon avis, Asensio, il était lancé aussi. Après, on sait très bien que son corps parfois le lâche. Mais il a montré sur deux matchs quand même très importants, Lens et Lyon, qu'il était fondamental dans cette équipe. C'est quand même un mec qui a un CV énorme, qui a un talent au-dessus de la normale. C'est quand même quelqu'un de supérieur dans le foot. Et franchement, alors oui, et c'est moi je trouve que ce qui est bien avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est un PSG qui est si peu qatarien finalement. C'est un PSG qui ressemble, ou alors éventuellement il ressemble à celui d'avec Ibrahimovic, Lasdar, Mbappé, et puis après une armée, tu vois, de généraux et tout. Et moi je trouve que t'as Mbappé, et après c'est une équipe très, je trouve, très humble. Bien, et moi je l'aime bien parce que c'est sûrement une équipe très humble. Et le héros peut venir n'importe où. Par exemple, on sait très bien, rappelle-toi, en 2020, le final là, Choupo-Moting qui avait été extraordinaire, qui l'attendait. Je me rappelle de Liverpool une saison avec Origi qui avait été fantastique. Et souvent les héros en Ligue des Champions, c'est pas ce qu'on pense. Et donc t'auras besoin de tout le monde. Colomouani, c'est quelqu'un, c'est normal. Moi je trouve ce qu'il vit, c'est quand même après ce qu'il a vécu la saison passée, c'est normal d'avoir à un moment donné, il faut quand même passer un. Et même c'est rassurant, même qu'il a un petit peu de mal. Faut pas non plus oublier évidemment Gonzalo Ramos, qui a quand même montré à Benfica quand même beaucoup de qualité. Il a pas l'air d'avoir beaucoup la confiance de Luis Enrique pour que ça fuite, pour qu'on en parle, pour qu'il le fasse pas jouer. Non, mais ce que je te dis, c'est que. Et sur ce qu'on entend sur le niveau des entraînements, c'est pas exactement. Très... Barcola, ça va pas être non plus extraordinaire tout le temps cette saison. C'est pour te dire, t'as toujours des blessures, des suspensions, ça va tourner. Ouais, mais surtout, la question, elle est pour le match de Ligue des Champions, on est bien d'accord. Oui, l'équipe oui, elle est pour ça. Ouais, ça fait un peu juste pour faire revenir Asensio qui a joué que deux matchs. Ça fait un peu juste. Là, on est en train de se projeter sur le match de la Sociedad. On le dit sans le dire. Là, il est comme sur le banc, donc il est apte. Il y a quand même pas mal de temps encore avant ce match, même t'as encore le match retour qui est très loin. Moi, franchement, mais c'est un sacré match. Alors, on s'intéresse pas au titre, parce que Vincent Duluc, qui est notre chef à tous, a décidé que c'était fini. Vincent, il a fait l'édito de l'équipe, il a dit le championnat, il est plié. Voilà, on s'en fout, il y a 8 points différence de but, la Liga terminée, on verra qui fait deuxième. Évidemment, j'ironise parce que je vous invite tous à lire l'édito. Je rappelle qu'il y a 4 journées de moins quand même. Et il y a 4 journées de moins, donc il est encore plus plié. C'est-à-dire qu'il le dit qu'il est plié le matin et encore plus plié le soir. Oui, il s'est dit j'ai pas tout dit dans l'édito. Pas tout dit d'ailleurs. Sur l'édito. Il y a un lecteur qui m'a fait remarquer que le PSG était la seule équipe à plus de 2 points de moyenne en Ligue 1. Et pour dire qu'il n'y a pas d'opposition, il y a 5 équipes à plus de 2 points de moyenne en Angleterre, 4 en Italie. Mais ça, ce n'est pas la faute du PSG, on est d'accord. Portugal. Là, c'est la faute des autres. On en parlera dans le baromètre, d'ailleurs. Il n'y a pas de concurrence. Voilà, malheureusement. C'est pour dire que le titre est fini. C'est pour ça qu'on aura un énorme baromètre dans les flops. Alors, on n'a pas de top, on n'a que des flops tout à l'heure dans le baromètre. On finit avec vous, Vincent, d'abord sur votre sentiment sur cette équipe type. Et puis, je voudrais quand même que vous nous parliez aussi de Barcola et de ce que vous imaginiez à son départ et de ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que vous suivez beaucoup l'OL, évidemment. Non, mais ça correspond à ce que j'ai toujours dit sur les plateaux partout, qu'il avait ça. Je veux dire, sur les matchs retour la saison dernière, c'est lui qui porte Lyon avec la casette, mais c'est lui qui porte Lyon. Et sans lui, la casette ne marque pas autant de buts. Enfin, voilà, c'est lui qui fait toute la différence entre une équipe moyenne et une équipe qui est troisième sur les matchs retour. Donc 50 millions, vous n'avez pas choqué plus que ça ? Si, parce que j'ai trouvé que c'était cher, comme tout le monde. Mais j'ai trouvé que lui était cher et que Ugarte était terriblement cher et que Gonzalo Ramos était affreusement cher. Donc en fait, tout est une question de degré. Mais c'est un joueur qui est complet, qui travaille beaucoup pour l'équipe, qui aime presser, qui fait des efforts. Alors comme il fait beaucoup d'efforts, je n'ai encore jamais vu bon 5 fois de suite, par exemple. Je crois que c'est encore la limite. Le très haut niveau, il faut être bon 40 fois par an. Lui, c'est plutôt 20 fois. Déjà, c'est déjà pas mal, son âge. C'est un joueur émergent. Donc, je ne sais pas s'il est capable de maintenir le niveau qu'on a vu hier pendant un mois, y compris la Real Sociedad. Mais alors, pour la Sociedad, est-ce qu'il peut être une option ? C'est ça la question Luis Enrique, vraiment. Moi, oui. Après, c'est le problème du PSG. Si effectivement, Asensio, qui est à peu près le cinquième avant-centre de l'équipe, c'est lui qui... Enfin, il paraîtrait la solution naturelle. C'est-à-dire que si Luis Enrique, il croit ni à Gonzalo Ramos comme avant-centre, ni à Colomani, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Mais,
Mais moi, Barcola, j'aime, voilà, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et contre la Newcastle, on en a déjà parlé avec Ludo, contre Newcastle, moi j'ai surtout remarqué qu'avant qu'il rentre, le PSG n'arrivait pas à avoir des occasions. Alors après qu'il soit rentré, le PSG a raté plein d'occasions. Mais elles étaient là. Ouais, c'est vrai. Et alors, quand on fait un petit peu le bilan de cette attaque du Paris Saint-Germain avec ses trois de devant, équipe type, est-ce que de manière chiffrée, on peut déjà en déduire des choses? Il y a à peu près le même pourcentage de victoires. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt l'aspect défensif. Alors, Vincent a parlé de générosité. Quand les trois sont alignés, alors peut-être c'est le fait que Dembélé et Barcola se replient énormément et qu'Mbappé reste seul devant. On encaisse moins de buts. Faut-il y voir un signe? En tout cas, il y a une solidité défensive qui est un petit peu plus affichée. On verra sur la longueur. Bon, on verra sur la longueur, parce que c'est ça la question qui est posée en ce début d'année civile. Est-ce que Luis Enrique a déjà trouvé son attaque, les amis? Est-ce que Luis Enrique a trouvé son attaque Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'attaque du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, est-ce que tu trouves que Luis Enrique a déjà trouvé son attaque? Parce que depuis un certain temps, Colomani a disparu de la circulation. Il ne joue plus. Je n'en parle même plus de Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, Luis Enrique n'a jamais fait confiance à Gonçalo Ramos. En revanche, on voit de plus en plus Barcola sur le côté gauche. Du coup, on a l'impression que Luis Enrique a déjà trouvé son attaque, puisque Randal Kolo Muani ne joue plus. Gonçalo Ramos, Luis Enrique ne lui a jamais fait confiance. Kylian Mbappé commence de jouer de plus en plus en pointe. Donc, Luis Enrique, il savait qu'il a déjà trouvé son attaque. Est-ce que cette attaque sera efficace en RDC? Est-ce que cette attaque pourra éliminer la Real Sociedad? Est-ce que cette attaque pourra arriver en quart de finale? Ça, c'est toute la question, les amis. Ça, c'est toute la question. On va commencer en termes de complémentarité. Moi, je pense qu'un Barcola est plus complémentaire au système de jeu de Luis Enrique par rapport peut-être à un Kolo Muani. Kolo Muani, le défaut de Kolo Muani, les amis, c'est parce que, selon moi, il ne sait pas jouer dans des petits espaces. Il a du mal même à contrôler un ballon. Kolo Muani a du mal à contrôler un ballon. Lorsqu'on envoie le ballon à Kolo Muani à l'arce, soit il contrôle fort, soit il n'arrive pas vraiment à contrôler pour peser sur la défense, pour étirer le bloc. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de qualité. J'aime bien prendre cet exemple. Si vous mettez Kolo Muani peut-être à Liverpool, je suis presque sûr qu'il sera compatible avec le système de jeu de Jurgen Klopp. Parce que c'est un jeu de vitesse, c'est un jeu de rapidité. En revanche, le système de jeu de Luis Enrique est totalement différent. C'est un jeu de placement, c'est un jeu qui demande d'être capable de jouer dans des petits espaces. Et Kolo Muani n'a pas ces qualités-là. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. C'est un jeu qui est spécifique à un système de jeu précis. Quant à Gonçalo Ramos, Luis Enrique n'a jamais vraiment fait confiance à Gonçalo Ramos. Même en LDC, il jouait très peu, il a très peu joué. Luis Enrique préfère mettre Lee Kang-in en faux neuf. Il préfère mettre Marco Asensio en faux neuf que de mettre Gonçalo Ramos. Luis Enrique n'en veut pas de Gonçalo Ramos. Et je ne sais pas pourquoi le PSG a recruté Gonçalo Ramos, sachant qu'il devait faire venir Luis Enrique. Normalement, quand tu recrutes un joueur, tu demandes d'abord l'accord du coach. Si le coach est d'accord, tu recrutes le joueur. Si le coach n'est pas d'accord, tu ne prends pas le joueur. Visiblement, le PSG a recruté Gonçalo Ramos sans l'aval de Luis Enrique. Conclusion, il n'est pas compatible avec le système de jeu de Luis Enrique. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est un jeu qui pourrait être utile dans plusieurs clubs en Europe. Plusieurs clubs. Voilà Manchester United qui n'a pas de Real numéro 9. Voilà le Real de Madrid qui n'a pas de Real numéro 9. Je pense vraiment qu'il pouvait être utile peut-être à Manchester, peut-être au Real de Madrid. Bref, c'est un talent gâché au PSG. Du coup, donc, Luis Enrique est obligé de mettre Kylian Mbappé en pointe, ce qui fait que Bradley Barcola joue côté gauche. Et Ousmane Dembélé côté droit. Mais est-ce que cette attaque suffira en RDC? Peut-être face à la Real Sociedad, ça suffira. Mais je suis presque sûr qu'en cas de finale, en demi-finale, ça ne passera pas. Parce que c'est vraiment trop léger. C'est une attaque qui est vraiment trop léger. Barcola, certes, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de talent. Mais au très très haut niveau, pour moi, il manque d'expérience. Au très très haut niveau, on l'a vu face à Newcastle. C'est très inefficace, ça rate beaucoup de buts, ça rate les face-à-face. Bref,
ça manque de finition devant le but. Et le très très haut niveau ne pardonne pas. Si déjà tu as un Ousmane Dembélé qui a du mal à marquer, tu auras seulement Kylian comme seul joueur qui marque le but. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon lorsque tu es en Ligue des Champions, parce que lorsque tu joues la LDC, notamment les matchs de très très haut niveau, genre demi-finale, quart de finale, tu dois marquer des buts. Tu dois avoir plusieurs joueurs qui te marquent le but. Donc, moi, je pense que c'est une attaque qui promet, mais au très très haut niveau, à mon avis, ça va manquer des limites. Ça sera limité. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Si cette attaque, dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Sinon, on se dit à très bientôt pour notre revue de les amis. Ciao, ciao.